Salut tout le monde! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite revue sur mes paires de chaussures parce que ça faisait un petit moment où j'avais envie de le faire et voilà, donc j'avais décidé de faire une revue sur mes paires de chaussures. Voilà, c'est parti! Donc déjà, moi j'ai une boîte à chaussures que j'ai achetée à Jiffy. Une grande boîte en fait que j'ai acheté à Jiffy, je crois, dans les 12 euros, qui se glisse sous mon lit avec des petites roulettes. Donc déjà je trouve ça super pratique, donc je vais vous montrer comment est la bête. Alors, c'est une boîte qui se présente comme ça, donc c'est une boîte en plastique transparent. Dessous il y a des petites roulettes, mais je les ai enlevées parce que moi ça rentrait pas sinon sous mon lit, mais sinon c'est super pratique, il y a des petites roulettes qu'on met dessous. Voilà, donc c'est un petit couvercle transparent avec une boîte pour mettre des chaussures. Donc ça c'est super pratique, après vous glissez sous le lit et voilà, au moins ça vous encombre pas 36 000 paires de chaussures un peu partout, parce que moi je suis un peu ordonnée, donc j'aime pas trop avoir du bordel. Donc voilà, je trouve ça super pratique. Donc je vais vous montrer mes chaussures par catégorie. Donc déjà en catégorie été. Parce qu'on vient tout juste de quitter l'été, là on s'approche de l'automne. Alors j'ai des claquettes Havaianas que je mets régulièrement. Vous l'avez vu peut-être dans mes vidéos, voilà, ça c'est des claquettes Havaianas. Elles sont en taille 39, elles sont très très bien, je les trouve super confortables, c'est super pratique pour l'été. Voilà. Après les Havaianas, je crois que je les ai payées dans les 30 euros pour la marque en fait. Mais super bonnes claquettes, hein, vraiment, ça fait 2 ans que je les ai, elles sont pas du tout abîmées, top. Ensuite, mon copain m'a acheté des sandales, des spartiates. Voilà. Je suppose que vous connaissez, c'est vachement à la mode. Il me semble que je les ai payées dans les 7 euros au chinois. Voilà, c'est du 39. C'est super pratique ça quand on met des robes, tout ça, parce que je trouve que les claquettes ça fait pas assez classe. Donc avec des robes ou des choses comme ça, des chemisiers, tout ça, c'est super joli. Enfin, pour l'été, c'est top. Donc voilà ce que je mets pour l'été. Ensuite, pour la catégorie soirée. J'ai des talons que j'ai achetés au chinois dans les 15 euros. Je vous montre les chaussures. Donc, c'est des petits talons comme ça. Des escarpins, en fait. Vous voyez ? Et sauf que la particularité de ces chaussures, c'est qu'elles ont un scratch. Et ça, c'est des petits escarpins. Elles ont un scratch, en fait, où on peut rajouter une sangle. Ça fait comme ça au pied, en fait. Et sur le côté, ça vous fait un petit nœud. Donc moi, je trouve ça super joli. Franchement, je les adore. Voilà, ça, c'est mes chaussures de soirée. Ça fait peut-être un an que je les ai. Et c'est mes chaussures préférées. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elles n'ont pas un gros talon. Vous voyez, c'est assez petit, du coup c'est super confortable et ça fait pas mal aux pieds, et au moins vous galérez pas à marcher avec, parce que moi je suis vraiment nulle pour marcher avec des talons. Voilà. Donc ensuite, pour l'automne. Ce que je mets en chaussures, c'est ces chaussures-là. Donc c'est des petites baskets. Comme ceci. Désolée, elles sont un petit peu sales. C'est les coques sportives, donc. Si vous voyez. Voilà, avec Saint-Malo, le modèle, c'est avec des petites rayures. Là, c'est bleu et rose. Ce que j'aime bien, c'est qu'elles ont aussi des petits trucs bleus et roses sur les lacets. Donc, c'est assez sympa. C'est vachement mignon, je trouve. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est mes chaussures d'automne. Et je les adore. Voilà, c'est mes chaussures préférées pour l'automne.
Ensuite, pour l'hiver. Ce que je mets en général, c'est plutôt des bottes. Donc celles-ci, je les ai achetées à Gémeaux. Voilà, elles sont super sympas. J'aime beaucoup la forme. Voilà. C'est avec deux petites sangles, une en bas et une en haut. Voilà, je trouve ça super mignon, c'est original. En plus, je sais pas si vous voyez l'intérieur. Non, vous voyez peut-être pas. Et ça fait un peu comme de la mousse. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, c'est super confortable. Donc ça, c'est mes fétiches de l'hiver. Et si vous savez pas quoi mettre pour l'hiver, prenez des bottes moutarde. C'est super tendance et voilà, c'est super bien. Ça va avec tout. Moi, je les ai pris en noir, comme la plupart de mes chaussures, parce que ça va avec tout. Et j'ai pas envie de me compliquer la vie. Et ensuite, alors, en catégorie détente, voilà. Je vous présente mes pantoufles. Donc, c'est des petits chaussons, comme ça, que j'ai acheté à La Redoute, je crois, dans les 5 euros. Et c'est, mais alors, super confortable. L'intérieur, en fait, c'est en tissu, mais super moelleux. Et l'extérieur, c'est en polaire, en fait. Donc, franchement, dedans, on est super bien. Et ça tient très chaud. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est mes petits chaussons pour l'hiver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, je vous remonte la boîte qui est vachement jolie. Je vous mettrai le lien en bas où est-ce que vous pouvez acheter la boîte parce que franchement, ça vaut le coup. Donc c'est ça. Ça se présente comme ça. Donc c'est une petite boîte que l'on ouvre et dedans il y a les chaussures. Voilà, je vous montre. C'est super sympa. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.